Tu veux dire que ce n'était pas toi qui m'as attiré dans cette forêt? Absolument pas. Est-ce qu'elle voit la lumière? Elle va passer de l'autre côté. À bientôt, Alice. Au revoir, Alice. Elle est partie. Oui. Merci pour tout, mais au final, que s'est-il vraiment passé? Elle a été manipulée. Comment est-ce possible? Elle a eu une mort brutale, elle a été perturbée et quelque chose a dû la persuader que tu as tué. Quelque chose? Oui, je ne sais pas qui ou quoi a pu faire ça. Il va falloir tirer ça au clair avant que cela ne se reproduise. De quoi parlez-vous? Il va revenir. Lucas, vous êtes en sécurité ici, je peux vous aider. Personne ne doit savoir, il va revenir me chercher. Vous vous souvenez comment vous vous appelez? Attention! Il s'agit d'une fille âgée, je pense, d'environ 18 ans. Mais tout ce que je sais pour l'instant, c'est qu'elle a l'air totalement déboussolée.
Ça a été poignardé. Je suis morte. Pourquoi vous me parlez? J'ai un don qui permet de voir les esprits errants qui ne sont pas encore passés de son côté. Je peux vous aider à régler vos derniers problèmes. Je suis morte. Poignardée? Vous êtes en état de choc. Vous vous souvenez comment vous vous appelez? Logan. Logan Thompson. Vous savez qui vous a tué? Je suis morte. Vous voyez la lumière? C'est bizarre, il n'y a personne au nom de Logan Thompson. Ah. Oui, j'arrive. Bonjour Lia. Bonjour Axel. Je suis venue te remercier pour ce que tu as fait pour la famille d'Alice. Ça me touche beaucoup. Entre, je te prépare quelque chose à boire. Je suis venue. Alors, t'as pu parler aux parents d'Alice? Oui, ça n'a pas été trop dur. Ils n'ont pas été aussi critiqués par une lettre parce que je parlais de ça. Quelle pauvre famille. Ils ont perdu leurs deux filles à cause de leur dispute. Ils doivent se sentir affreusement coupables. Oui, enfin, tant qu'ils sont divorcés, tout devrait aller mieux. J'espère. Logan? Pardon? Est-ce que vous connaissez une fille qui s'appelait Logan Thompson? Je connais sa fille. Logan? Tu veux parler d'Amy? Amy? Elle ne s'appelle pas Logan? Je déteste une appelée comme ça. Amy était plutôt du genre garçon manqué. Faites la tête. Elle semblait plutôt enflammée sur elle-même. Faites la tête, ou je m'en charge moi-même. Ça va? Oui, tout va bien. Amy, veuillez me parler, je sais que vous êtes là. Votre mari me donne la migraine. Amy! Ne m'appelez pas comme ça. Qu'est-ce que vous appelez déjà? Ça n'a aucune importance. Une fois que vous passez de l'autre côté. Et si je vous disais que quelqu'un m'a fait une meilleure offre? Une meilleure offre? Faut que je sache mieux regarder. Tant que je ne serai pas, je resterai ici. Mais vous ne pouvez pas faire ça! À votre place, je me méfierai. On parle de vous ici. Oh. C'est qu'ils étaient en train de tomber, pas très net. Amy, attends! Reviens! Maintenant, nous jouons sur un grand échiquier. Joue bien tes pions si tu ne veux pas perdre la partie. C'est toi qui a... C'est moi qui ai... C'est toi qui ai... La partie ne fait que commencer. Je ne parle pas, Sand! Tu m'entends?
frère, je sais que tu peux m'entendre. Je te promets que je ferai pas descendre de l'autre côté. Mais c'est déjà mourir. Mes amis, le combat a commencé. Le rideau de la scène s'ouvre. Le titre est La fin du Ghost Whisperer. Nous verrons si ton talent sera à la hauteur de mes espérances. Le compte à rebours est lancé.